Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que tu attends depuis longtemps, les stéroïdes. Salut, c'est Méric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des stéroïdes, je vais tout t'expliquer, comment ça marche, à quoi ça sert, pourquoi il y en a qui en prennent, pourquoi faut pas en prendre, les effets positifs et les effets négatifs. C'est parti! Alors pour commencer, les stéroïdes, à quoi ça sert? Eh bien, ça va te permettre d'atteindre une certaine masse musculaire, un certain niveau de masse musculaire que tu ne pourras pas atteindre naturellement. Alors bien sûr, tu ne pourras pas atteindre un certain niveau de sèche également. Donc voilà à quoi vont servir les stéroïdes en général, les produits dopants en général. Alors bien sûr, tu vas avoir plus de sensations, une meilleure récupération, tu vas avoir un gain de confiance en toi. Tu vas prendre de la force, tu vas prendre de la masse musculaire, tu vas être plus sec, donc tu vas avoir, physiquement, tu vas être bien, forcément. Tu vas avoir les veines qui pètent de partout. Et puis tu vas surtout atteindre tes objectifs bien plus rapidement. Il faut savoir qu'on peut en trouver en pharmacie. Alors, souvent c'est sur ordonnance médicale ou alors ordonnance vétérinaire, suivant le produit que tu veux. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Sinon, on va également en trouver sur le marché noir. Alors pourquoi sur le marché noir? Marché noir, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est des labos clandestins en fait. C'est des mecs qui chez eux, ils se sont fait un petit labo et puis ils font des stéroïdes anabolisants chez eux. Donc bien sûr, tu sais pas ce qu'ils mettent dedans. Donc si tu en prends, tu sais pas ce que tu prends et tu sais pas ce que tu t'injectes. Il faut savoir que ce sont pas des produits qui sont réellement testés en laboratoire. Bah oui, parce que comme je te l'ai dit juste avant, c'est des mecs qui font ça chez eux, les trois quarts du temps. Donc, forcément, ils sont pas testés. Ils n'ont pas de normes d'hygiène, etc. Donc, c'est assez dangereux à ce niveau-là. Parce que les mecs peuvent te mettre déjà ce qu'ils veulent dedans. Donc, tu n'es pas sûr à 100% que c'est de la testostérone ou que c'est de l'hormone de croissance, etc., etc. Donc voilà où est la dangerosité en fait. Parce que si tu étais sûr que le produit était de qualité, bon, même si tu sais que c'est dangereux pour la santé, à la limite, tu peux te faire suivre par un médecin. Mais là, raison de plus pour ne pas en prendre. Voilà, parce que ça vient d'un endroit où ce n'est pas testé, donc où les normes d'hygiène sont, pourries. Il faut savoir aussi que les produits dopants, ce n'est pas un produit miracle. C'est-à-dire que si tu ne t'entraînes pas dur, si tu ne manges pas correctement, tu n'auras pas les effets escomptés. Alors forcément, tu prendras plus rapidement que quelqu'un qui ne se dope pas. Mais voilà, ça, il faut le savoir. Ensuite, tout dépend de ton métabolisme. Parce que si tu as, c'est comme en musculation sans produits dopants en fait. Quelqu'un qui a un bon métabolisme, qui réagit bien, qui a un bon passé sportif, un bon schéma corporel, qui a déjà acquéri une bonne masse musculaire, il réagira mieux aux stéroïdes anabolisants. Tout simplement parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Plus tu vas avoir de masse musculaire, plus tu vas bien réagir, plus ton schéma corporel est intéressant, plus tu vas bien réagir également. Après, il faut pas se leurrer, il y a énormément d'effets secondaires et moi je te le déconseille vraiment, c'est de ne pas y toucher. Alors je vais te donner une petite liste des effets secondaires qu'on donne pour les stéroïdes. Donc par exemple, tu as l'arrêt cardiaque, tu as le dérèglement hormonal. Donc en fait, tu vas pas sécréter de la testostérone correctement quand tu vas arrêter. Il va falloir que tu relances ton taux de testostérone. Ensuite, tu vas avoir l'agressivité. Quand tu es en cure, ça augmente l'agressivité. Et oui, parce que la testostérone, c'est ça qui te donne l'agressivité. Donc forcément, si tu l'augmentes, voire même double ton taux de testostérone dans le corps, tu vas être plus agressif. Donc ça, faut faire attention. Ensuite, tu peux aussi te bousiller le système nerveux. Donc ça, c'est ce que je t'ai expliqué à cause des aiguilles. Donc ça, je t'ai donné une petite liste des effets secondaires, mais bien sûr, il y en a d'autres et ce ne sont pas les seuls. Donc tu vas avoir deux types de produits, donc les produits oraux et les produits injectables. Donc les produits oraux, en fait, tu vas te bousiller le foie parce que c'est par voie orale, par voie hépatique. Et les produits injectables, donc c'est en principe, tu te piques dans les fesses, mais bon, il y en a qui se piquent dans les épaules, dans la cuisse, enfin voilà. Et donc là, bien sûr, tu peux te bousiller le système nerveux, bien que c'est moins dangereux pour le foie du coup, parce que ça passe pas par le foie directement. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, pourquoi les mecs prennent de plus en plus de stéroïdes et pourquoi les jeunes, surtout, en prennent de plus en plus. Forcément, quand tu vois sans arrêt sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou alors que ce soit sur Instagram, Facebook, des mecs qui sont 100 kilos, secs, découpés, plein de veines, etc., forcément, ça donne envie. Et il y en a certains qui ont compris que c'est pas naturellement que tu atteins ce physique-là.
Alors si toi tu crois que c'est naturellement que tu vas atteindre un physique énorme et sec en fait, découpé, eh ben non, c'est pas comme ça que tu vas l'atteindre, il va falloir que tu passes à l'étape supérieure. Donc moi je te le déconseille déjà pour tous les effets secondaires que tu vas avoir suite à la prise de stéroïdes. Et en plus de ça, de te poser la bonne question, pourquoi tu veux en prendre? Alors si c'est pour les nanas, bah dis-toi déjà que les nanas, elles aiment pas les mecs qui font 100 kilos et qui sont secs, même si voilà, c'est sympa à voir toi de ton point de vue de pratiquant de musculation. Mais du point de vue d'une femme, elle préfère un mec un peu musclé naturellement et sec plutôt qu'un bodybuilder qui soit énorme. Il faut savoir que tu peux atteindre ton objectif naturellement. Oui, c'est possible. Il va falloir que tu aies une bonne alimentation, un entraînement régulier et que tu ne t'arrêtes jamais. La régularité, c'est ce qui va te permettre de continuer, d'aller plus loin et justement d'atteindre cet objectif dont tu rêves. Si forcément bah, tu prends des produits dopants mais que tu ne t'entraînes pas régulièrement, ça fera l'effet inverse, c'est-à-dire que tu n'atteindras pas non plus ton objectif. Donc il va falloir que tu sois régulier. La régularité, que tu prennes des produits ou non, c'est vraiment la base. Donc sois régulier, entraîne-toi correctement. Il y a plein de méthodes en musculation, des méthodes que les trois quarts des gens qui se dopent ne connaissent même pas. Il faut savoir que c'est grâce aux années, grâce à ta régularité, à ton entraînement, à la nutrition que tu vas atteindre ton objectif et pas grâce aux produits dopants. Alors bien sûr, il y en a qui vont vouloir faire du bodybuilding, des choses comme ça. Et là, ils vont vouloir bah, prendre des produits dopants parce que forcément, naturellement, tu ne peux pas atteindre un certain palier. Donc, eh ben, tu as recours à des produits dopants. Mais moi, je te le déconseille parce que tu peux quand même atteindre un physique sympa sans rien prendre. Tu peux arriver à avoir une bonne masse musculaire en prise de masse et avoir une bonne qualité musculaire en sèche. Moi, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que bon, après, moi, j'ai un métabolisme qui brûle assez rapidement et je suis assez sec de base. Donc, quand je suis en sèche, je suis environ à 10-12% de masse grasse. Et ben, forcément, je parais très sec. Et il y en a peut-être qui se posent la question si j'ai pris des stéroïdes ou des brûleurs de graisse interdits. Eh bien non, j'ai jamais rien pris de tout ça. Il faut savoir que après j'ai un bon rapport taille-poids qui n'est pas impressionnant quand je suis en sèche et en prise de masse non plus. Sachant qu'en prise de masse musculaire, je reste quand même assez flotteux, assez gras. Je suis pas sec et je suis pas voilà, j'ai pas des veines qui pètent de partout, même en prise de masse. Donc ça, c'est des indicatifs qui vont me permettre de savoir si quelqu'un ou non se dope. Dans ce sport, le problème, c'est que quelqu'un qui prend des stéroïdes, qui se dope, il va être plus crédible aux yeux d'un pratiquant que la personne qui ne se dope pas. Pourquoi ? Parce qu'il va être moins musclé, donc forcément, il va être moins crédible. Moi, c'est mon cas en tant que coach sportif. Le mec qui voit arriver quelqu'un qui fait 100 kilos sec, il va préférer aller le voir plutôt que moi. Parce que moi, forcément, je fais pas 100 kilos sec. Après, c'est à moi d'avoir un physique qui soit attirant, entre guillemets, mais un physique surtout atteignable, que je ne demande pas à mes clients. Car tous les fit boys que tu retrouves sur Instagram, Facebook, YouTube, etc., ils sont chargés comme des poneys, les mecs. Alors, je te dis pas tout ce qu'ils prennent, hein, parce que je pense que tu vas prendre peur et tu vas t'y mettre tout de suite. Parce que si tu veux le même physique que lui, mon gars, bah, c'est pas en mangeant de la patate douce et des haricots verts. Hein. Donc après, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas forcément parce que tu vas envoyer des produits que tu vas être super musclé. Mais le mec, en revanche, qui va être super musclé, c'est pas pour autant qu'il y connaît forcément plus que toi. Donc, il va falloir que tu prennes, que tu analyses le type de personne à qui tu as affaire. C'est-à-dire que si tu as affaire à un gros abruti qui n'y connaît rien et qui envoie des produits toute la journée, ou si tu as affaire à quelqu'un peut-être qui a passé des diplômes et qui est peut-être un peu moins musclé, mais qui va être tout aussi crédible et qui va te permettre d'atteindre un objectif, que ce soit aussi bien dans la santé et aussi physiquement. Moi, ce que je te conseille, c'est d'atteindre un physique naturellement esthétique où tu te sens bien, où tu sois bien dans ta peau, mais de ne pas prendre de produits dopants. Alors bien sûr, je critique pas ceux qui prennent des produits dopants, hein, que ce soit un but compétitif ou bien autre chose. Mais voilà, moi je le conseille pas aux gens qui me suivent, je conseille pas à ces personnes-là, tout simplement parce que je pense que c'est pas la bonne solution. Après, je ne critique personne, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais voilà, je n'encourage absolument pas à en prendre. Moi d'ailleurs, je n'en ai jamais pris et je n'en prendrai pas. Parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne sert à rien pour moi d'avoir une masse musculaire trop importante. Parce que déjà, bah, je vais perdre en mobilité, je vais perdre en cardio, et puis c'est pas ce que je recherche.
Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, lâcher un commentaire. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao !